Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette grande flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières, en gueule de monstre, vomissait sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade intérieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes comme l'eau jaillit des mille trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre, toute rouge, semblait plus grande encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elle projetait jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher, comme une chauve-souris devant une chandelle. Vous venez d'entendre une brève lecture de Richard Berry de l'ouvrage de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Le lundi 15 avril à 18h15, alors que l'orgue jouait pour accompagner l'office du soir, un début d'incendie s'est déclaré dans les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous avons tous pu observer le feu se propager à une vitesse phénoménale le long des 100 mètres de charpente. Les flammes ont dévoré l'ensemble de la toiture pour s'achever symboliquement par la chute de la flèche qui soutenait le coq, dessinée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc et contenant en son sein trois reliques, une des 70 épines réputées appartenir à la Sainte Couronne du Christ, une relique de Saint-Denis et une de Sainte-Geneviève. Cette nouvelle s'est propagée à travers le monde à la vitesse de l'éclair, suscitant émoi et tristesse. Ce monument, dédié à la Vierge Marie et plus communément appelé Notre-Dame, est pendant de nombreux siècles l'une des cathédrales les plus grandes d'Occident. Elle a été édifiée à partir de 1163 jusqu'au milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, elle subit une restauration parfois controversée par l'architecte Viollet-le-Duc, qui y glisse des éléments et motifs inédits. On y retrouve donc du style gothique primitif et gothique rayonnant. À la fois édifice religieux et patrimonial, la cathédrale verra passer en son sein de multiples événements, comme le sacre de Napoléon Ier en 1804 ou diverses funérailles de la Troisième République. En 1944, la libération y est chantée et des cérémonies seront effectuées à la mort de certains présidents, comme Charles de Gaulle, Georges Pompidou et François Mitterrand. En 2013, la cathédrale fêtait son 850e anniversaire. Depuis le concordat de 1801, conclu par le pape Pie VII et la loi du 9 décembre 1905, l'État est propriétaire des édifices religieux et il est garant de leurs entretiens. Cet incendie ravageur touche donc notre mémoire collective de manière forte, mettant en suspens notre politique comme celle d'autres pays, amenant même le président français Emmanuel Macron à s'investir d'une mission, la reconstruire en 5 ans. Mission qui semble tout de même vouée à l'échec étant donné l'ampleur du chantier qui sollicite différents corps de métiers, qui sont aujourd'hui pratiquement inexistants, et des matériaux qui le sont tout autant, vu la destruction massive des forêts permettant de trouver des charpentes d'une telle envergure. Effectivement, Grégory Théier, spécialiste de l'architecture médiévale et chargé du mécénat au ministère de la Culture, nous indique sur France Info que le président français s'est avancé sur le calendrier en annonçant vouloir la rebâtir en 5 ans. Pourtant, cela risque de prendre des décennies
car il faut faire appel à beaucoup de corps de métiers spécialisés, comme des sculpteurs ou des architectes spécialistes. De plus, le budget pour l'entretien des monuments historiques n'y est pas. Déjà sous Sarkozy, il manquait plus de 100 millions d'euros pour y contribuer. 2 millions d'euros par an, voilà le montant pour l'entretien et la restauration de Notre-Dame. L'ensemble des travaux à effectuer sur 10 ans était évalué à 60 millions d'euros. Selon les architectes et historiens, cet incendie est celui de trop. Les normes de sécurité sur les chantiers de rénovation des monuments historiques sont notoirement insuffisantes. Alexandre Gady, historien de l'art, dénonce depuis des années un budget trop faible qui est devenu une variable d'ajustement et pose aujourd'hui des problèmes de sécurité graves. Interviewé par Mediapart, l'archéologue Dominique Garcia explique que la société semble plutôt se positionner vers une reconstruction à l'identique. Il est vrai que désormais, on accole le plus souvent au terme de patrimoine, celui d'éternel, c'est-à-dire un terme mystique, employé pour Dieu, signifiant qu'il n'y a ni début, ni fin. Pourtant, le patrimoine a un début et l'histoire fait qu'il y a des suites et des évolutions. C'est un élément marquant de notre société contemporaine que de vouloir figer le patrimoine et les monuments, alors qu'ils évoluent à travers le temps. Cet événement a suscité également l'empathie de nos plus grandes fortunes, avec des promesses de dons dignes d'un téléthon, mais où les montants ont dépassé toutes les espérances de ce dernier. En quelques jours, pratiquement 1 milliard d'euros de dons étaient annoncés. Malgré l'émoi que peut causer ce violent incendie, il faut le replacer dans le contexte économique, social et écologique actuel, et y comprendre le sens d'une telle enchère. En moins de 72 heures, les grandes fortunes françaises comme les familles Pinault, Arnault ou Bettencourt, à elles seules, ont débloqué un demi-milliard d'euros. La course aux dons était lancée. Grande générosité de la part de ces familles qui pourront bénéficier d'une exonération d'impôts. Il est bon de se rappeler que le mécénat est déductible des impôts à hauteur de 66% selon la loi de 2003. La polémique enflant sur cette déduction fiscale qui fait retomber finalement une grande partie du don sur l'ensemble des Français par les diverses impositions, la famille Pinault s'est ravisée 2 jours plus tard en demandant de ne pas bénéficier d'une telle exonération. Pendant ce temps, à l'Assemblée, des députés Les Républicains demandaient le vote d'une loi pour passer de 66% à 90% d'exonération pour Trésor national. N'oublions pas aussi que l'exil fiscal des grandes entreprises pourrait lui aussi contribuer à la reconstruction de Notre-Dame sans solliciter abusivement l'ensemble des citoyens. Bref, en 72 heures, nous avons donc pu constater la capacité saisissante et fulgurante dont les grandes fortunes sont dotées pour débloquer 1 milliard d'euros, alors que la France connaît un mouvement social inédit depuis octobre 2018 pour plus de justice fiscale, une augmentation du pouvoir d'achat et une possibilité de reprendre un peu de pouvoir décisionnaire par la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Lorsque le président français prend la parole le lundi soir avec une solennité défiant les plus atroces actes terroristes perpétrés, détruisant de multiples vies humaines et leurs familles, une grande incompréhension est apparue chez les Français puisque ce même jour, le bilan du grand débat national qui a coûté 15 millions d'euros aux contribuables français hors déplacement présidentiel au passage devait être annoncé par ce dernier ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour répondre à la contestation des Gilets jaunes, mais rien. À ce discours, le président français parle de notre histoire française et notre futur destin français soudé autour d'une histoire commune et de monuments communs. Mais quel est donc notre destin français dans un monde en décrépitude économique, sociale et écologique ? Oui, Notre-Dame est un joyau d'architecture retraçant la mémoire d'un peuple, mais qui va vers quel destin ? Une crise d'austérité plus sévère pour respecter les impératifs de dette, une destruction environnementale qui finit d'achever nos habitats et notre santé pour asseoir un peu plus la dégradation sociale. N'y a-t-il pas ici une inversion forte de valeurs et de l'éthique ? Dans notre époque contemporaine, la nostalgie historique doit-elle effacer les défis futurs ? Pour comprendre cela, il faut replacer l'homme à sa juste place, et quoi de mieux que d'utiliser la linguistique pour mieux le comprendre. Lorsque nous parlons de patrimoine, nous sommes uniquement centrés sur une approche anthropique qui place l'homme en être supérieur parmi le vivant. Comme l'explique Dominique Garcia, l'éternité n'existe pas au niveau patrimonial. Il s'agit d'une conception humaine. Les constructions de l'homme sont certes de très grande qualité et remarquables par les innovations dont il a su faire preuve au cours de son évolution. Cependant, en mettant en avant la volonté humaine, nous oublions largement le patrimoine naturel qui, au-delà du symbole que peut représenter Notre-Dame de Paris, est notre habitat à toutes et à tous.
et est actuellement en grand danger. Dame Nature est une priorité bien plus importante à restaurer et à préserver pour la survie de l'humanité. 1 milliard d'euros pour le climat est une proposition qui a été annoncée au Parlement européen par plusieurs voix. Pourtant, nous ne voyons personne se bousculer au portillon pour effectuer des donations dignes de ce nom. C'est une somme qui, investie, permettrait de se confronter au réchauffement climatique qui brûlera dans les temps nos récoltes et notre capacité à nous alimenter. Notre-Dame de Paris, même reconstruite, sera uniquement le vestige d'une civilisation, comme les temples incas ou tout autre monument ayant survécu à la disparition même de ceux qui les ont vus s'élever. L'urgence n'est pas sur les symboles historiques, mais bel et bien dans l'action concrète sur le vivant, qu'il s'agisse de notre biodiversité, de la détresse humaine quotidienne et du chaos vers lequel nous nous dirigeons. Cette posture de façade pour rassembler autour d'un même destin n'est que le résidu égoïste d'un passé royaliste où la grandeur de l'homme est incarnée par la richesse matérielle. N'oublions pas que la foi appartient à chacun et qu'elle peut être exprimée à travers n'importe quel symbole, de la plus grande cathédrale jusqu'à la plus petite étable. Il s'agit de spiritualité et non de bien matériel. La richesse matérielle surpasse donc l'ensemble des vies humaines et du vivant qui les accueille. Voilà la conclusion que nous pouvons faire de cet événement. Au-delà du symbole dirigé sur un passé glorieux français, il y a également un aspect économique et touristique à ne pas oublier. Avec près de 12 millions de visiteurs en 2016, Notre-Dame est l'un des monuments les plus réputés de Paris. Certes, l'entrée est gratuite, excepté pour le trésor et les tours, mais son rayonnement permet de faire travailler de nombreux commerces et les produits dérivés « Made in China » permettent une économie non négligeable pour la ville de Paris. Nous sommes bien loin des vœux pieux, mais sur une dynamique touristique où l'on pourra affirmer sur notre courte existence la visite d'un tel monument. L'homme étant toujours attiré un peu plus par l'idée de débâcle et de destruction, nous pouvons donc voir s'agglutiner contre les barrières de sécurité des touristes pouvant affirmer, grâce à l'aide d'un selfie, avoir été là, près de la cathédrale, ouverte vers les cieux. Alors oui, le cœur est triste de voir une entité historique et religieuse s'effondrer sous les caméras. Oui, la reconstruction doit être envisagée sur le long terme. Mais non, elle ne doit pas effacer les enjeux actuels qui placent l'humanité au bord du précipice. N'oublions pas que ce qui nous nourrit chaque jour, qui nous protège au quotidien et qui nous permet d'envisager le futur, c'est bel et bien Dame Nature, qui est la construction à l'origine même de la vie et de notre faculté actuelle de pouvoir pleurer Notre-Dame de Paris. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça Green, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Aussi Green, green, green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois ? Mais tu vois, Green, Green, absolument. Green, Green.